Donc dans cette vidéo, je souhaite vous montrer les exercices qu'on peut utiliser nous en rééducation pour soigner et traiter la pubalgie. Donc la pubalgie correspond à une douleur située au niveau du pubis et parfois aussi une douleur de laine avec une possibilité d'avoir une sensation, donc une irradiation, une douleur qui éventuellement se propage le long du ligament inguinal. C'est différent d'une douleur de hanche qui ne correspond pas aux exercices que je vais donner forcément à la vidéo. Là, je m'intéresse vraiment à la pubalgie. Donc, il y a plusieurs objectifs dans ces différents exercices. Premièrement, c'est d'améliorer la stabilité du bassin, du bas du dos, la sangle abdominodorsale, principalement via un travail de gainage, mais aussi un travail de proprioception. Il va falloir aussi améliorer et augmenter la force des muscles adducteurs dans les différentes composantes et contractions musculaires, mais aussi des fessiers, ça c'est très important. Et enfin, il y a beaucoup de travail sur des étirements spécifiques. Donc classiquement, on divise le programme en trois phases distinctes qui ont une durée à peu près similaire, c'est-à-dire 3 à 4 semaines chacune. La priorité là, sur cette phase 1, c'est de vous reposer et donc de limiter et diminuer le plus possible la douleur. Je vous recommande aussi de travailler sur les tensions musculaires en utilisant par exemple un rouleau de massage. Vous pouvez utiliser mon tuto sur les jambes pour utiliser un bâton de massage pour vous libérer les tensions. Et surtout, ne faites pas le geste sportif, ne forcez pas sur la douleur. Donc laissez de côté les entraînements, surtout les entraînements intensifs et votre geste sportif qui vous fait mal. Par contre, vous pouvez malgré tout faire du vélo tous les jours si vous le souhaitez, tant que ça reste non douloureux. Et vous pouvez aussi éventuellement faire de la marche. Pour le reste, il faut juste se contenter des exercices que je vais vous montrer là. Donc la première étape déjà, c'est de travailler sur des exercices de gainage. Alors vous allez commencer par des positions classiques, standards, sans chercher à faire des choses compliquées, juste pour être sûr de bien maîtriser les positions. Pour ça, vous allez tenir 30-45 secondes maximum. Chaque position, vous faites les 4 positions et vous faites plusieurs tours de manière à faire environ 10 minutes de gainage quotidien. Donc ensuite, vous allez travailler quelques contractions des adducteurs, hein, aussi en synergie avec les muscles de la sangle abdominodorsale. Donc il faut utiliser soit un ballon un peu mou, soit éventuellement, moi je vais utiliser ici des coussins mous que vous allez placer donc entre vos deux genoux avec les jambes pliées. Donc genoux comme ceci, vous restez au sol. Il faut juste serrer les genoux. Donc vous serrez fort les genoux. Donc forcément, ça vient travailler au niveau du pubis, de la symphyse pubienne et des adducteurs. Et vous serrez pendant 10 secondes, relativement fort, sans non plus vous déclencher la douleur trop, de façon trop significative. Vous arrêtez au seuil douloureux et vous relâchez. Vous relâchez au moins 5 secondes. Ensuite, vous allez faire la même chose allongée, jambes tendues, mais cette fois-ci, vous allez serrer les pieds. Donc pareil, 10 secondes, jambes tendues, avec les chevilles qui se rapprochent, et vous relâchez. Et vous recommencez 10 séries de 10 secondes. Et puis, vous allez enchaîner avec des étirements, notamment au niveau des fessiers, mais aussi des rotateurs de hanches. Donc, le plus simple, c'est de faire cet étirement-là. Donc, vous venez placer votre jambe comme ceci, et puis vous ramenez le genou vers vous et vous bloquez. Donc, ça doit étirer ici. Vous maintenez 30 secondes la position et vous le répétez 3 fois. Vous relâchez, vous faites tant qu'à faire la même chose, hein, de chaque côté, il faut quand même bien équilibrer. Ensuite, vous devez aussi étirer le muscle psoas. Donc, je vous montre un étirement actif du psoas à faire debout. Donc là, je vais étirer mon psoas droit. Donc je viens transférer mon bassin vers l'avant en restant droit, en contractant le fessier de la jambe droite et en gardant la jambe droite tendue. Vous voyez que je me mets sur la pointe des pieds et je reviens. Une fois que vous maîtrisez ce petit mouvement, vous allez pouvoir ajouter les bras. Les bras vont vers le haut, donc le plus haut possible, et vers l'arrière, comme si vous voulez les grandir. Donc ça donne ça, je vais en avant, je tire à fond et je reviens.
je vais en avant et je reviens. Donc vous devez bien sentir la tension ici et vous pouvez ensuite faire 6 à 8 mouvements de l'étirement, aussi du psoas mais légèrement différent. Là, on emmène le bras vers le haut, du côté de la jambe tendue en arrière, et l'autre bien en rotation derrière. Et vous revenez. Je vais en avant et je reviens. Ensuite, vous changez de jambe, vous faites le même protocole de l'autre côté avec les jambes inversées. Si vous avez des difficultés avec cet étirement actif, vous pouvez consulter ma vidéo, j'ai montré plusieurs étirements du psoas. Donc, pour les ischio-jambiers, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre avec la jambe ici légèrement surélevée, pas trop, ça ne sert à rien. Donc le pied reste dans l'axe. Vous laissez le genou tendu, hein, il ne doit pas se plier. Vous posez les mains sur votre cuisse. Et ce qu'il faut viser, c'est menton vers là. Et une fois que ça tire au niveau de l'arrière de cuisse, arrière de genou, vous maintenez 30 secondes et vous le faites sur 3 répétitions. Enfin, pour les adducteurs, c'est pas facile à étirer. Donc, je vous conseille de le faire debout avec un appui éventuellement pour garder la stabilité. Vous allez placer votre jambe à plat sans qu'elle soit tournée, le pied à plat. La jambe, le genou doit rester tendu. Donc déjà, pour certains, vous allez pouvoir tout de suite ressentir la tension au niveau des adducteurs. Vous mettez votre main ici. Et en gros, si ça ne tire pas assez, vous pouvez légèrement baisser le genou et venir faire un léger mouvement de bassin comme ceci, hein, en pliant le genou. En restant bien droit, dès que vous sentez une tension, sans que ça soit douloureux et que ça vous redéclenche la douleur, la pubalgie, vous maintenez 30 secondes, 3 séries. Donc pour la phase 2, on va intensifier le gainage. Donc il faut être sûr que vous maîtrisez bien le gainage classique de la phase précédente. Et maintenant, vous allez inclure des positions de gainage avec, en levant éventuellement une jambe, en levant un bras, en mettant de l'instabilité. Vous pouvez aussi mettre un coussin instable sous vos pieds. Je vous recommande donc de faire les différentes positions. Vous faites ça sur au moins 10 minutes. Vous pouvez notamment suivre ma vidéo là avec un programme complet de gainage sportif avec pas mal de positions. Vous allez aussi poursuivre les exercices pour les ischio-jambiers là au sol qu'on faisait avec coussin entre les genoux, toujours de la même façon, sans changer. Par contre, on va rajouter des exercices de renforcement. Donc pour le premier, on va faire sur deux jambes parce qu'après les autres, on va les faire sur une jambe. Donc ce que je voudrais que vous travailliez, c'est des squats complets, sans poids, juste le poids du corps. Quand je dis des squats complets, c'est qu'on va vraiment jusqu'en bas. Ça veut dire que vous allez en bas et vous remontez. C'est pas facile pour ceux qui sont raides. Éventuellement, il faut mettre des livres sous les talons pour limiter justement que la tension des mollets vous empêche de faire le mouvement. Vous baissez, vous allez vraiment jusqu'en bas et vous remontez. Vous remontez en contractant bien les fessiers. Vous voyez que mes genoux sont légèrement vers l'extérieur, donc les pieds légèrement tournés vers l'extérieur pour avoir plus de stabilité et éventuellement cibler un petit peu les adducteurs. Donc maintenant, on va faire un exercice pour cibler juste une seule jambe, donc le pied en avant. Vous pouvez le faire sur une chaise. Ce qu'il faut, c'est que la hauteur soit minimum celle-là en fonction de votre taille, mais vous prenez une chaise et puis vous faites ça sur l'assise de la chaise. Donc, il va falloir monter sur la chaise. Par contre, il ne faut pas vous aider, en tout cas le moins possible, de la jambe gauche parce que ce qu'on veut, c'est travailler le muscle de fessier de la jambe qui est posée. Donc, il faut bien s'avancer en avant, se mettre sur la pointe de pied de celle-là pour pouvoir pousser ensuite et venir ici. Et vous contrôlez la descente pour ne pas taper. Donc, je vais en avant, je pousse et je redescends. Et en complément, vous allez faire des squats sur une jambe avec la jambe tendue en avant. Vous descendez jusqu'où vous pouvez, hein. C'est pas évident, on n'est pas très à l'aise et ça fait beaucoup travailler le fessier. Donc vous descendez et vous remontez. Donc à cette phase, vous pouvez intensifier aussi le vélo si vous le souhaitez pour toujours conserver une activité physique et surtout avoir une forme physique relativement bonne. Et puis, vous pouvez commencer à la fin de cette phase, si vous n'avez pas de douleur dans tous les exercices,
à faire des séances de jogging de course sur 20 minutes. Donc pourquoi pas en alternant 5 minutes de course, vraiment cool, hein, c'est pas des sprints. Et puis de la marche, marche rapide sur 1 ou 2 minutes pour couper un peu et vous faites ça sur 20-30 minutes. Donc pour la phase 3, hein, vous allez poursuivre le gainage que l'on vient de voir en essayant de bien maîtriser toutes les positions, en mettant moins de récup entre les différentes positions et les tours pour réaliser quelque chose de correct sur 10-12 minutes. Et puis vous poursuivez également les exercices concernant les fessiers qu'on vient de voir précédemment. Par contre, vous allez remplacer les exercices au sol pour les adducteurs par celui que je vous montre là. Vous poursuivez également les mêmes étirements que précédemment. Pour l'exercice des adducteurs, donc il vous faut quelque chose qui glisse au sol. Donc là, j'utilise une serpillière synthétique. Ça peut être un t-shirt, ça peut être n'importe quel vêtement à la rigueur du moment que ça glisse. Pourquoi pas un gant de cuisine. Voilà, il faut que votre pied puisse glisser au sol. Ensuite, vous allez rester bien droit au niveau du bassin et en gardant cette jambe tendue, vous venez aller sur le côté et vous ramenez. Vous faites glisser sur le côté et vous ramenez. Au début, vous le faites plutôt lentement et pas trop loin. Hein, vous vous limitez dans l'amplitude parce qu'il ne faut pas vous déclencher la douleur. Et puis progressivement, vous allez pouvoir aller plus loin dans le mouvement et vous allez augmenter l'amplitude et aussi augmenter éventuellement un petit peu la vitesse. Vous allez voir que ce n'est pas simple du tout. Et dans les premiers temps, vous ferez juste 10 répétitions sur chaque jambe, de chaque côté avec petite amplitude, au fur et à mesure des jours et de la douleur, bien évidemment, surveillez ça, vous allez pouvoir augmenter en faisant plus d'amplitude et vous passerez à 2 séries de 10, puis 3 séries de 10 de chaque côté. Et enfin, en plus de cet exercice, on va ajouter des exercices de proprioception et aussi de pliométrie, c'est-à-dire des sauts pour ressolliciter plus en dynamique les adducteurs. Vous allez commencer par des sauts latéraux, donc une jambe puis l'autre. Vous allez pouvoir faire ça déjà pour voir s'il n'y a pas de douleur. S'il n'y a pas de douleur, vous allez passer à plus d'amplitude. Et puis, si tout est OK, rapidement, vous faites sur une seule jambe. Donc, je viens sauter un côté puis l'autre. Ensuite, je peux augmenter l'amplitude. Je peux aussi augmenter la vitesse. Je peux faire la même chose avant-arrière. C'est moins contraignant aussi pour les adducteurs d'en faire avant-arrière. Et ensuite, vous en faites dans les différentes directions en revenant à chaque fois. Commencez par faire 30 secondes de saut sur une jambe. Vous reposez, vous recommencez 30 secondes. Et ça, vous le faites sur 5 à 10 minutes. 5 minutes, c'est déjà bien. Et enfin, vous allez pouvoir ajouter un petit peu plus de rythme dans vos séances de course. Donc, toujours vous courez tranquillement, plutôt en jogging, mais vous allez tester quelques petites accélérations sur 10-15 secondes pour voir s'il n'y a pas de douleur. Déjà, ça, c'est la priorité. Si tout est validé, qu'il n'y a pas de douleur, que ce soit au niveau des exercices, au niveau de votre course, votre jogging, là, vous allez pouvoir envisager à la fin de cette phase de reprendre les entraînements. Et puis pour les coureurs à pied, hein, il faut être vraiment rigoureux dans la reprise pour ne pas sauter les étapes, pour ne pas se blesser à nouveau. Pour cela, je vous recommande d'utiliser ma vidéo et mon programme pour reprendre la course à pied après une coupure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé en tout cas à soigner votre problème. N'oubliez pas que la pubalgie est une pathologie qui est complexe. Donc, le mieux reste la consultation médicale chez un professionnel de santé qui pourra vous adapter un programme spécifique par rapport à votre pubalgie et surtout aux causes qui justifient votre pubalgie. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez aussi me les laisser sous la vidéo. J'essaierai de répondre au maximum. Et si aussi vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas au passage d'activer la cloche, donc c'est-à-dire les notifications pour être tenu informé de mes vidéos, sinon vous ne les verrez jamais. Apparaître. Et enfin, d'ici là, continuez à bien vous soigner, à prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé, parce que ça, personne ne pourra faire à votre place. Allez, à très vite.